everything that's alive goes alive and seems. You know, the little tomato seeds you and Nancy find in your garden, how they grow into nice red tomatoes. Un club pas comme les autres, c'est un club d'abord familial qui a une exigence de résultats. Donc voilà, on essaye, disons, d'amener les gamins au meilleur niveau possible, tout en gardant également aussi une convivialité, en gardant également aussi un esprit éducatif par rapport à eux. L'école de football, elle est là pour faire en sorte que les enfants adoptent des comportements qui favorisent finalement la vie en collectivité, la vie de club. Et la vie de club, c'est évoluer d'abord dans un cadre défini, un cadre structuré et surtout un cadre commun à toute l'école de football qui doit forcément permettre aux enfants en fait, une progression vers l'exigence de la compétition. Le résultat est important parce qu'il compte, mais il compte pour les gamins. Il ne doit pas compter pour l'éducateur. Pour l'entraîneur, il compte, mais pas pour l'éducateur. Il n'est qu'un moyen d'entretenir quelque chose, une flamme, un message qui passe mieux quand on gagne que quand on perd, c'est sûr. Mais ce n'est pas l'essentiel du travail de l'éducateur. Pour progresser, pour aller, pour se surpasser, il faut toujours penser qu'on trouve toujours plus fort que soi dans le sport. Donc on doit toujours douter, toujours être humble et toujours penser que comme il y a plus fort que soi, on peut nous-mêmes finalement être plus fort que tout le monde. Moi je suis certain d'une chose ici, c'est qu'il y en a ici qui ont le niveau pour être dans l'autre vestiaire. Et ça aussi il faut leur prouver. Et nous ça ne nous fait pas rêver d'être le PSG. Ici à la CBB, vous avez des valeurs. On est un club amateur mais qu'on forme. On a emmené énormément de joueurs au niveau professionnel. Donc le bon choix, il n'est pas forcément de l'autre côté, il est très bien ici. Déjà, il nous fait la composition de l'équipe. Après, il nous encourage tous, il nous dit qu'on doit se donner à 100%, faire des efforts. Même quand on est fatigué, on doit faire des efforts à 100%, on peut se donner à 100%. 14, 15, 16 ans. Il y en a peut-être qui aspirent après à 16 ans à aller en centre de formation. Ça passe par une bonne performance sur ce genre de match-là. Les très bons joueurs sont performants sur les grands matchs. Nous, on est parti pour gagner. C'était aussi pour s'amuser parce que c'est le but. Quand on est sur le terrain, on doit se faire plaisir. C'était aussi pour s'amuser et on a kiffé. Ce dont on peut être fier, c'est ses moyens, c'est cette équipe éducative qui a tout fait pour promouvoir ces jeunes. Ça, c'est ma plus grande fierté. Effectivement, c'est une récompense. Mais c'est avant tout une récompense pour la famille. Pour nous, club, ça restera toujours l'idée qu'on met beaucoup de moyens sur la formation pour les faire réussir. La fierté, elle est là. Destin, il y en a plusieurs au niveau de la CBB, puisque effectivement il y a des joueurs qui ont été formés à la CBB et qui sont aujourd'hui dans des clubs professionnels. Chaque année, on a environ une dizaine, entre 10 et 12 joueurs qui partent dans des clubs professionnels en centre de formation. Bien entendu, peu réussissent, mais parmi les joueurs les plus connus, on pourrait citer Josué Nadeau, qui a signé un contrat stagiaire pro au 1er juillet de cette année, et donc a intégré le groupe pro d'Ajaccio et qui a joué son premier match contre le Paris Saint-Germain, en l'occurrence en championnat,
Donc ça a été une expérience pour lui formidable et pour nous en tant que club formateur très fier puisque c'est le prototype de joueur qui a vraiment été formé depuis l'école de foot jusqu'au moins de 17 ans quand il est parti chez nous. On peut parler d'Atem Ben Arfa également qui est à Newcastle aujourd'hui. Plus récemment, on a Vincent Sasso, qui a été formé aussi à la CBB, qui est passé par Nantes en tant que professionnel et qui joue aujourd'hui au Portugal. Il y a Zachary Labilly, qui est à Lyon, à l'Olympique Lyonnais aussi, qui est en équipe de France, moins 18, voilà, aussi, qui est un élément d'avenir et qu'on pourra certainement retrouver très prochainement dans les équipes professionnelles de Lyon dans un an ou deux ou plus tard. Gérer tant de monde, c'est pas si difficile que ça quand on a une bonne équipe autour de soi. Et je pense que de toute façon, c'est ce qui fait le succès de la CBB. C'est l'équipe aussi bien d'éducateurs que l'équipe, disons, de dirigeants, éventuellement de l'administration. Donc tout le monde a un bon esprit dans ce club et ça permet justement, je pense, de gérer assez facilement, de toute façon, le grand nombre de licenciés. Nous pourrions caractériser l'ambiance de la CBB. L'ambiance est basée sur l'amitié. L'amitié, la confiance. Nous sommes avant tout un club amateur. On souhaiterait se professionnaliser un petit peu dans notre organisation et dans nos structures. Mais ce qui cimente vraiment la CBB, c'est l'amitié. On est un club familial. Hein. Malgré cette aussi étiquette de club formateur, où au niveau des jeunes, on joue au plus haut niveau. Je pense qu'on arrivera en plus de jouer sur le tableau de la compétition. On a aussi un esprit d'équipe qui et beaucoup de valeurs qui sont chères au président et auxquelles on essaie de transmettre à nos jeunes. Et je pense que voilà, d'arriver à lier les deux parties, c'est pas donné à tout le monde et je pense que ce club y arrive. Cette équipe n'a rien à perdre contre nous. Elle n'a rien à perdre, donc elle va jouer libérée, hein, elle va jouer relâchée. Elle va être meilleure que ce qu'elle fait en championnat parce qu'elle n'aura pas cette pression de résultat de classement. C'est ce qui s'est passé il y a 15 jours ici avec le Racing qui s'en fait taper 5-2. Donc vigilance, d'accord. Je vous demande de respecter cet adversaire. On occulte ce classement hiérarchique au niveau des divisions. On se concentre uniquement sur nous. Hein, c'est ce qui fait notre défaut en championnat. Hein. C'est souvent, on a souvent tendance à profiter des faiblesses de l'adversaire et on oublie nos valeurs. On est joueur, on est une équipe joueuse et à un moment donné, il va falloir faire preuve de plus d'expérience. Il y a des endroits du terrain où il est possible de jouer, d'autres où sécurité avant tout. L'ambiance, elle est très agréable. Il y a une super ambiance. C'est un groupe qui est très jeune, très réceptif. Et puis on a un staff qui s'évertue à choisir des joueurs qui correspondent un petit peu à l'identité du club. Et qui fait qu'il y a une vraie osmose entre les joueurs du club. On a un bon climat de travail. Hein, c'est avant tout notre force. Hein, je pense que les joueurs s'apprécient humainement. Donc le climat est sain. J'ai aucun problème de discipline. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps par rapport à mon contenu pédagogique à transmettre.